Bonjour, vous regardez Ça part en live et nous sommes Doc in Absolute. Nous sommes Doc in Absolute avec David Kinsiger à la basse. Et nous avons Victor Kraus aux drums, à la percussion et Jean-Philippe Coche au piano. Donc un trio qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, je dirais 9-10 ans. Il y a des influences classiques parce que moi je suis un pianiste classique à la base avec toute une famille de musiciens classiques. Ensuite, David aussi, il est un peu éclectique, il fait beaucoup de styles différents. Et on a Victor aussi qui sort de la musique classique à la base. Victor n'est pas seulement un batteur, mais un percussionniste, donc ça s'entend aussi dans son jeu. Ça donne un style très varié qui peut se nommer jazz moderne, jazz nouveau, on va dire. Nous nous trouvons là au musée du Trésor de Liège. C'est un lieu assez familial malgré tout, parce que les musées souvent ça peut être rébarbatif. Mais ici ce qui est terrible, c'est que ce musée qui existe depuis pas mal d'années maintenant possède plein de reliques, de peintures originales datant du Moyen-Âge, datant de période de la Révolution. Et il y a également derrière nous les reliques de Saint-Lambert. C'est un lieu vraiment à découvrir et l'équipe est vraiment très très sympa. Vous allez écouter Rolling, c'est une de nos nouvelles pièces qui vient de sortir sur notre album Reflect qu'on vient d'enregistrer à Trieste en Italie. C'est une pièce plutôt courte de notre album, plutôt rock, répétitive, mélodique. Elle est parfaite pour terminer les concerts, le public l'adore énormément. Bonne découverte et bonne écoute. Thank you.
Vous allez écouter Floating Memories, c'est un morceau de notre second album, Soukham Jazz aussi. C'est un morceau qui commence par un long solo de piano, j'ai essayé de ne pas le faire trop long. Et voilà, donc c'est une ambiance très feutrée et il y a une belle évolution au fur et à mesure du morceau qui nous ramène à un climax, je dirais, au milieu et qui se termine également par un petit solo de piano. C'est un de nos morceaux qu'on joue généralement en deuxième position parce que ça permet de mettre une belle ambiance au concert quand il n'y a pas de bruit. Donc on est heureux de vous la présenter et de la jouer dans cette magnifique salle. Thank you.
Nous allons jouer prochainement à Cannes, au soleil, enfin on espère, près de la mer, et ensuite à Maastricht, et puis à Mohol, du côté d'Anvers. Voilà, si vous voulez les informations concernant le groupe, c'est www.docinabsolute.com. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Deezer, Spotify, Apple Music, et voilà, YouTube. On a un réel lien avec cette ville. David, il y habite. Moi, j'y habite plus, mais toute ma famille est originaire de Liège. Donc, ça fait vraiment plaisir d'y jouer. C'est une cité très latine, en fait. Il y a un côté très sympa, très friendly, comme on dit. Au niveau associatif, il y a énormément de choses qui s'y passent. À commencer aussi par l'atelier graffiti, où je travaille avec les enfants, les adultes, les ados. C'est un centre d'expression de créativité. On peut faire de l'art, de la peinture, de la sculpture, de l'illustration, etc. Aujourd'hui, nous partageons l'émission avec Gus Gus Gus, de la folk française. Bonne découverte et au revoir, à bientôt. Merci de l'écoute. Au plaisir.